Vendredi 17 juillet 2020, les rédemptoristes à Saint-Louis-de-Cannes vous offrent ce soir la prière de l'Angélus, une prière premier jour de la neuvaine de Sainte-Anne, lecture spirituelle de Saint-Alphonse et messe du jour. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe se fait chair. Et il a habité parmi nous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Daigne répandre ta grâce en nos cœurs, Seigneur. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Premier jour de prière de la neuvaine à Sainte-Anne. Confiance en Sainte-Anne. Sainte-Anne, je m'adresse à toi avec espoir, alors que commence cette neuvaine en ton honneur. Je veux la remplir de confiance en toi. Tu es notre patronne bien-aimée, le secours de toutes les détresses, la protectrice des petits et des faibles. J'unis ma prière à celle de toutes ces personnes qui t'ont prié au fil des siècles. Je sais que tu t'es penchée sur toutes les misères pour les secourir et que tu es puissante et bonne. N'es-tu pas la mère de la Vierge Marie, la grand-mère de Jésus, le Fils de Dieu? Tu as un accès privilégié auprès de Dieu. Tu peux obtenir des merveilles et des grâces de toutes sortes. Sainte Anne, j'ai raison d'avoir confiance en toi. Ton intercession en ma faveur auprès de Dieu accomplira des prodiges. J'ai tant besoin que tu intercèdes en ma faveur. Me voici donc devant toi, abandonné en toute confiance, te présentant toutes les intentions que je t'exprimerai durant cette neuvaine. Je te remercie d'écouter ma prière. Sainte Anne, je t'aime et j'aime ton petit-fils Jésus. Amen. Et la prière pour enrayer le coronavirus. Ô bonne Sainte Anne, tu t'es révélée espérance des malades. Tu as le secret merveilleux de nous redonner la confiance. C'est pourquoi nous te demandons que soit maîtrisée la pandémie qui nous menace. Nous te demandons d'intercéder auprès de ton petit-fils Jésus, de redonner la santé aux personnes qui sont touchées et la paix aux endroits où ce virus s'est propagé. Nous te remercions de mettre sur notre chemin de souffrance des personnes travaillant dans le domaine de la santé. Elles sont souvent épuisées par la surcharge de travail. Donne-leur l'énergie dont elles ont besoin pour faire face à cette pandémie. Seigneur Jésus, nous nous sentons impuissants dans cette crise d'urgence sanitaire mondiale, mais nous avons confiance en toi. Tu seras toujours le docteur de nos âmes et de nos corps. Bonne Sainte Anne, avec ta fille Marie, protège-nous. Continue de prendre soin de nous et de nous conduire vers ton petit-fils Jésus. Amen.
Seigneur, tu me guériras et me feras vivre. Je disais, au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Seigneur, tu me guériras et tu me feras vivre. Le Seigneur est auprès d'eux, ils vivront. Tout ce que vit en eux vit de son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en paix. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Éclaire mon intelligence, Seigneur. Donne force à mes lèvres, amour à mon cœur. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais Jésus leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ?» Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors Jésus interpelle les gens de son époque sur le sens de la loi, et mieux encore sur le sens de la volonté de Dieu. Et il largue cette expression, « Je veux la miséricorde ». Parce que Dieu est miséricorde, tout amour. Tout le plan du Père est ordonné à cela, l'amour. De toute éternité, il nous aime. Il a créé ce monde immense et beau. Et depuis des millénaires, il accompagne l'humanité et plus particulièrement, il est entré dans l'histoire en s'occupant particulièrement d'un peuple pour l'éduquer. Et arriver à se faire connaître pleinement, jusque à l'arrivée finalement de Jésus le Christ, qui est le visage du Père, qui est le Fils du Père, qui révèle pleinement son amour pour l'humanité. Et Jésus, dans sa vie, a manifesté de toutes sortes de manières, justement, la miséricorde, en guérissant les malades, en ramenant à la vie des morts, en pardonnant les péchés, ce qui est le privilège de Dieu. Et là, ici, alors que ces apôtres, un jour de sabbat, passent à travers les champs, ils font quelque chose qui n'était pas permis aux yeux
de plusieurs pratiquants de la loi, les pharisiens entre autres. Alors Jésus ramène ses interlocuteurs au sens de la loi en lien avec le plan de Dieu. Un exemple, le commandement de Dieu, tu ne tueras point. Hein? Pas tuer personne. Dit d'une manière positive, tu protégeras la vie, tu promouveras la vie. Et qu'est-ce que nous enseignerait encore l'amour aujourd'hui? En temps de pandémie, pourquoi le virus se répand-il? Parce que les gens ne font pas attention, ne respectent pas les invitations à prendre soin vraiment des autres. C'est la démonstration pratique que on n'aime pas vraiment. Alors, que l'Eucharistie nous aide vraiment à entrer dans cette voie de l'amour et à être créatif dans l'amour. Avec les offrandes du pain et du vin, aussi les intentions de prière que des gens ont déposées dans le tronc de prière, toutes ces intentions que des personnes vous ont confiées, ces personnes, ces situations que vous voulez présenter au Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et femmes de ce temps, qu'il devienne pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, c'est le fruit de la vigne, l'offrande de notre vie avec ses joies et ses peines, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement en lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, ô plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terres sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'être humain à ton image. Tu as confié à l'homme, la femme, l'univers, afin qu'en te servant, toi, leur Créateur, ils règnent sur la création.
Comme ils avaient perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne les as pas abandonnés au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à toute l'humanité pour qu'elle te cherche et puisse te trouver. Tu as multiplié les alliances avec elle. Tu l'as formée par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit-Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toute chose excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons que tu viennes dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ, sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Valérie, tous les évêques, les prêtres, ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, toutes ces personnes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la mort, qu'ils soient dans la paix du Christ, ainsi que tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints, Saint Anne, Saint Louis des Francins, Saint Ignace de Loyola, tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérée du péché et de la mort, te glorifier, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de reprendre la prière que Jésus nous a laissée, par la prière du Notre Père, notre action de grâce pour tant d'amour que Dieu nous manifeste en Jésus-Christ, lui qui nous appelle justement à faire sa volonté. Cette prière, c'est la prière par excellence. Elle nous aide à nous sauver nous-mêmes.
et à demander tout ce dont nous avons besoin. Disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. La communion spirituelle avec les gens à la maison. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toutes choses, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Le corps du Christ. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Noble et sainte patronne, daigne entendre nos chants, toi si douce et si bonne. Veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants.